Eh bien bonjour tout le monde, c'est Mikoupa du jour d'aujourd'hui, on joue allant avec l'entraîneur Joui Fit, blablabla. Allez, c'est parti. Avec Wario, le son de remise en forme. Ah bah va nous faire jouer que les gros. Voilà, 4 secondes, hop, on perd pas de temps. Aujourd'hui, on va spammer sa mère. Aujourd'hui, ça va être un gros speedrun, je l'espère. Oh, ça va. Oh non, pas ce stage, il est horrible. Je déteste ce stage. Oh, sa mère. Mais regardez, bordel, on voit que dalle. C'est quoi ce putain de truc de merde? Et voilà, on fait un peu de sport quand même. Mais putain, ce stage-là, je le déteste du plus profond de mon âme. Il est chiant, il est grand, on voit que dalle, ça casse les couilles. Toi, nique ta mère. Dégage. Wesh. Mais j'ai fait quoi là? Ok, pourquoi pas, hein, mais. What the fuck? Oh! Il y a Dr. Mario avec moi. Allez docteur, faisons un peu de sport ensemble. Gros roi. Allez, encore un peu d'étirement. Putain, quand même, c'est fou comment elle est blanche. Elle est vraiment tombée dans un pot de peinture. Je suis désolé, hein, mais là, Wi-Fi Trainer, elle est vraiment tombée dans un pot de peinture. Tu peux pas être blanc comme ça. Je suis sûr que je la montre à un pote cosplayer, comment elle est blanche. Même lui, il va se dire qu'elle a abusé. Quoique, j'avoue que j'aimerais bien voir des cosplays de Wi-Fi Trainer, parce que quand même... genre... rien que pour savoir, est-ce que les gens ils se mettent plein de peinture ou ils restent avec leur couleur de peau de base? Putain, c'est une bonne question ça. Je vous conseillerais de faire vos recherches parce que j'ai envie de vous dire ouais, je vais l'écrire ou montrer une image d'un cosplay, mais je sais que j'ai oublié donc désolé d'avance. De toute façon, sur internet, vous aurez juste écrire Wi-Fi Trainer Cosplay, c'est réglé. Hein. Parce que c'est logique, de toute façon. C'est comme les cosplays d'Harmony, bordel, ils sont trop classe.
Enfin, les cosplays en général se replacent dans le bon. Enfin, même moi, je vais avoir mon cosplay dans quelques jours. Pour moi, pour vous, ça fait déjà plusieurs mois que mon cosplay, je l'ai eu. Pas impossible que j'aurais même fait une vidéo où j'étais avec le cosplay, d'ailleurs. J'y crois pas, mais c'est pas impossible. Que je le fasse un jour, en tout cas. À l'occasion d'un jeu que j'adore beaucoup. À vous. Et non, c'est pas du DDLC. De toute façon, ça peut pas être le cas parce que, bah. Malheureusement, je suis pas une meuf, hein. Et si le personnage masculin de DDLC, on le voyait, bah oui, là, ça aurait pu être bien. Mais non. On va te niquer ta race, toi. Allez, viens là. Non. Ah, les ballons, ça fait toujours mal, hein. Je me demande qui est la voix, quand même, de Wii Fit Trainer. Non, sincèrement, je me le demande. Je peux aller rechercher mes flemmes. Bref, on s'en branle. Et nous revoilà avec un screamer, j'imagine. Je sais pas pourquoi on nous a mis une photo comme ça pour elle. C'est complètement con. C'est complètement con. Mais bon, pourquoi pas, après tout. Ah, maintenant on va enfin utiliser mon amiibo préféré, du moins l'un de mes préférés. Voyage pour les étoiles. Non mais putain, regardez cette classe, même si ce n'est qu'une ombre, regardez ça, mon dieu, c'est beau. Oh. Ah bah oui, ça va être comme Oniba, du coup. Ah non, 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 non. Ouh, sympa la retournée Harmonie. La retournée, putain, qu'elle a fait. Ah, ça se voit que c'est le meilleur personnage de Mario Striker, même si c'est un jeu de merde. Je n'ai aucun regret de le dire, hein. Je l'ai dit dans le Let's Play, je le dis encore aujourd'hui. Mario Striker est un jeu de merde. 15 ans d'attente pour rien. 15 ans d'attente pour ça, c'est décevant, c'est dégueulasse. Non, parce qu'il faut savoir que Mario Striker, j'ai joué que la durée du Let's Play. Quand j'ai fini le Let's Play, j'ai abandonné le jeu. Hein. Donc, dites-vous que j'ai pas énormément d'heures de jeu. Hein. J'ai... Oh, le bâtard. Donc, j'ai que d'un long heure de jeu, hein, tellement le jeu, il m'a déçu. En plus, les terrains de foot, ils sont vides et nuls. Putain, dans Mario Striker GameCube, et oui, les terrains de foot, ils étaient grands. Là, c'est petit, tu vois les deux terrains en deux secondes. C'est... Alors que dans Mario Striker, fallait bien se déplacer pour avoir... Dans les premiers, du moins, fallait bien se déplacer pour avoir... pour voir un bout de terrain complet. Là, on voit le terrain en entier d'un coup. Putain, même FIFA, ils ont pas osé faire ça, et FIFA, c'est de la plus grosse merde. Enfin, pardon... eSport FC, c'est vrai que c'est ça maintenant le titre de le nouveau FIFA. Tout ça parce qu'ils ont fait leur gros rat de merde en ne voulant pas racheter les droits de la FIFA. C'est con, hein. Juste pour ça, ils ont décidé d'arrêter de s'appeler, de faire des jeux FIFA. C'est complètement con. Mais bon. C'est yé, hein. On est habitué à de la merde avec eux de toute façon. C'est pour ça que j'espère que vraiment ils vont faire faillite. Et puis quand on voit toutes les entreprises qu'ils ont rachetées, qu'ils ont fait fermer après parce que bah ils écoutaient pas ce qu'ils disaient. Hop. Non, n'essayez pas de regarder sur internet, il y en a trop. Non, en fait, ils ont plus d'entreprises qu'ils ont fait fermer que d'entreprises qu'ils ont rachetées. C'est ça le plus horrible. Ils ont fermé énormément qui avaient des licences magnifiques auxquelles vous avez sûrement joué pendant votre enfance, comme moi, que je n'ai pas en tête du coup. Mais bon. Aujourd'hui, ces entreprises sont fermées parce que bah ils pouvaient pas. Ils pouvaient pas continuer, hein, tout simplement. Parce que c'était trop chiant. Et puis surtout parce que la plupart du temps, il y est demandé de mettre des microtransactions. Donc je peux les comprendre, hein. C'est mieux de faire fermer son studio plutôt que... de mettre des microtransactions de merde qui servent à rien du tout, mais juste pour gratter de l'argent sur des jeux qui coûtent déjà 60 balles, donc la peau du cul. Parce que 60 euros, c'est quand même la peau du cul aujourd'hui avec un pays qui est en pleine inflation.
Quand je dis ça, on est qu'en juillet. Hein. On est le 31 juillet quand je dis ça. Donc ça se peut que d'ici cette vidéo, il n'y a plus d'inflation et ce serait une bonne chose. Mais pour l'instant, 60 balles, ça fait mal au cul. Et moi, comme un connard, je me suis acheté plein de jeux. Bon, même si la plupart c'était sur Vinted, mais bon. Sur Vinted, les gens, ils arrivent à être des gros fils de pute à mettre des jeux à 50 balles, alors qu'il vaut littéralement 10 euros le jeu, tellement il est oublié. Ou tellement il est pas trop connu. Bon, après, ça va, il y en a quand même, ils ont un peu de race. Donc, bon, tranquille. Alors, est-ce que ça va être... Ah, oui, c'est logique. Ah, mon Dieu, il va nous prendre par derrière. Ah. Oh merde, non, Mario! Ah. Wouhou! Adieu, Harmonie, je t'aime de tout mon cœur. Harmonette. Quel nom. Félicitations. Allez hop, on a terminé Harmonie. Merci pour tout. Salut mon pote. Oh, un armure. Bon, maintenant le troisième petit personnage, Little Mac, que j'ai reçu en même temps que Ganondorf le même jour, c'est-à-dire samedi 29 juillet. D'ailleurs, il y a plein d'amiibo de personnages qu'on a déjà fait qui doivent arriver dans les minutes à venir pour moi, donc le 31 ou le 30 ou le 1er août, à voir. Non seulement il y a Wario, il y a... C'était puissant. Il y a Wario, il y a Ike, mais en même temps, il y a un personnage DLC. Je ne dis pas c'est lequel, parce que comme ça, moi, je garde la surprise et vous le verrez pendant sa vidéo. Mais il y a un personnage DLC aussi. Il y a aussi l'Ice Climber, hein. Donc, ouais. Quelle rapidité, le Little. Le Petit Mac. C'est littéralement ça, en plus, la traduction. Petit Mac. Mac quoi, McDo? Oh, faut vraiment que j'aille me faire enculer, je sais. Wow! En 5 secondes, on a déjà fait un carnage. C'est beau. C'est propre. J'aime ça, moi. Oh, mon Dieu. Le capitaine Falcon. Dégage ta sœur, on t'a dit. On va te niquer à mort. Bon, du coup, on en est où, là? Ah, d'accord, le 5... Putain, on a speedrun le truc, hein. Ah, mon Dieu, je dois me combattre contre moi-même. Dégage, moi. Oh. Dégage, je t'ai dit. Enculé de fils de pute. Attends, mais ça a un but contre son corps, ce qu'il vient de faire. Oh. Donkey Kong. Oh mon Dieu! Je t'ai dit dégage. KO! Ah.
Et hop. Il est quand même très rapide le petit Mac. Ah. Oh ta mère la pute. Et dire qu'on s'en tire si bien sans en faire de game over pendant 2-3 vidéos. Mais quel fils de viol ce jeu de merde. En plus, il me fait croire qu'on l'a tué. Le fils de pute. Merci. Et nous revoilà avec Little Mac à New York. Ah, c'est rigolo de faire cette blague de merde. Oui, allez, bravo, on voit Little Mac, on s'en branle. Mais, allez, petite surprise, parce qu'on est de bonne humeur, et surtout, comme sûrement, ça fait moins de vidéos à tourner pour moi. Allez, chacun son type, hein, dans le Finovie. Non, je suis... Oh, c'est nul. Oh, c'était nul. Oh, allez, nique ta race, Lenny. Ah merde, c'est con, la prochaine vidéo, il n'y a pas Lutena, mais je n'ai même pas... Ah, c'est relou, ça. Et en Finobi aussi, je ne me rappelle pas de l'avoir eu dans mode histoire. Hein. C'est possible qu'on les a eu, hein, mais sincèrement, j'ai zéro souvenir. Je dis meurs. Quand je dis meurs, tu crèves, connard. Oh, ça fait beaucoup de points, là. Pichu, Pikachu s'amuse. Sans armure. Hop. Petit amphibien. Lucario, Ryu et Ken. Parfait. Ouais, c'est très bien comme ça. Combat contre Air Bizarre, d'accord. Allez, la suite, Mewtwo, Ness et Lucas.
Hop. Allez. Il nous en reste combien là du coup? Ok, le dernier contre Carapuce et nous-mêmes. En shiny, j'imagine. Ah, Colis vient d'arriver. Oh putain de merde. Heureusement qu'on est à la fin de la vidéo alors. Reste à voir quel est l'amiibo que j'aurais eu. Bon, bah vous savez quoi? Si j'oublie pas au montage, je le montrerai. Je montrerai qui est l'amiibo. Qui est le résolu que j'ai reçu. Est-ce que c'est Wario et Ken? Je l'ai eu dans le même. Je les ai quand même à la même personne. Est-ce que c'est l'Ice Climber? Est-ce que c'est Hulk? Est-ce que c'est l'amiibo? Si c'est l'amiibo mystère du DLC, vous ne le verrez pas. Il n'y aura aucune image. Donc s'il n'y a aucune image au montage, c'est que c'est lui. Du coup, surprise. C'est frustrant de ne pas le savoir déjà, moi. Enfin, je sais même pas c'est lequel déjà, c'est affreux. Je suis obligé d'attendre encore quoi? 20, 30, non, 10 minutes, un truc comme ça. Oh putain, quelle force. Ninja. Alors, c'était pas trop l'idée que j'avais en tête, mais vas-y. Créamment. Allez. Meurs, fils de pute. Mal aux yeux aussi, mais c'est pas grave. Merci. Bravo, nous revoilà. Et du coup, voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Sur ce, c'était les Mikoupa. Et puis moi, je vous dis à très vite pour la suite de Super Smash Bros. Au revoir tout le monde.